Il y a un insecte qui fait des ravages pendant l'hiver, que ce soit sur les oliviers, sur les plantes d'intérieur comme les ficus, ou sur les plantes méditerranéennes, qu'il s'agisse d'agrumes ou de mimosa, ce sont les cochenilles. La cochenille est un insecte qui mesure environ 4 mm de long. On rencontre souvent la cochenille farineuse. Elle est recouverte d'une substance cireuse blanche qui fait penser un peu à de la farine ou à du coton. Elle sécrète cette couche protectrice pour protéger son corps et cacher ses œufs afin d'assurer sa descendance. La contamination se fait souvent par une nouvelle plante acquise. Lorsque vous allez chercher une nouvelle plante, eh bien, il peut y en avoir soit sur le feuillage, soit sur le dessous du pot. Contrôlez donc bien toutes les plantes, les nouvelles plantes que vous achetez. C'est un insecte piqueur-suceur, donc il va provoquer l'affaiblissement de la plante, il va ralentir la croissance et ça peut aller jusqu'à la mort de la plante. Donc là, pour les enlever, détruisez-les si vous le souhaitez à la main, sinon il existe des produits dans le commerce pour en venir à bout.